Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un complément d'épisode pour compléter l'épisode, enfin la purge numéro 67. Nous sommes au parc Mobilhome, au parc de Mobilhome Findler's Green. J'ai Thomas qui a demandé il y a deux jours par rapport au jour de cette vidéo, je crois, deux jours à peu près. Si j'avais pris le coffre qui était au centre, et je. Ah! Je vais dire, je ne vois pas le coffre, je vois juste le luminescent. Coffre! Coffre expert. Alors, tu m'as. Thomas, tu m'as aussi parlé d'une clé qui servirait à ouvrir quelque chose au milieu de la piscine. Et je ne le vois pas. Donc, ça sera le premier complément d'épisode. Il y a bel et bien, effectivement, un coffre. Tout à fait d'accord avec toi. Il y a bien un coffre. Mais je vois pas l'autre truc caché dedans. Non, on voit ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose dedans? Donne-moi la boudrelle sauvage, mon gars. Non, il y a vu le mini sans crever, un coffre, c'est un coffre expert. Pas besoin de clé pour l'ouvrir. Au milieu de la piscine, je vois pas d'autre. Finalement, pas. C'est encore la fête des radiations. C'est la fête des radiations, encore une fois. Ma vie est géniale, vous en ai déjà parlé. Bref. Je ne vois rien d'autre. Rien d'autre. Donc si quelqu'un a la solution, n'hésitez pas à partager la solution si vous l'avez. Et en attendant, écoutez-moi petit coffre expert, hein, j'ai rien eu à craquer d'autre dessus. Donc ce sera tout pour moi dans cet épisode. C'était pour te répondre, Thomas. J'ai bien trouvé ce coffre au fond. J'ai pas vu d'autres coffres qui nécessitent une clé spéciale. Et pourtant, j'ai refait un tour de patelin complet. J'ai même refouillé les poubelles que j'avais. J'avais pas fouillé. Ah, je suis pas allé voir en haut s'il y avait un truc par contre sur le toit. Sur le toit qui n'est accessible que si je fais un peu de parcours. Et faire le parcours à partir d'ici, de cette voiture. De mémoire, c'est ça. J'ai commencé mon parcours à partir de là. Et bah, grimpe. Hâte de t'inventer des obstacles aussi. Oh, mais ah, par contre, la troisième vue pour faire du parcours, c'est l'enfer. Du coup, percute tout, c'est l'enfer. J'aurais pu le faire en un coup, ça. Hop. Hop. Que je me propose, c'est de courir, bim, faire un truc comme ça. Là-dessus de mémoire, il y a voilà, il y a 3-4 bignoux. Ah, il y a cette plage, ok, tout ça c'est cool, mais c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de coffre, rien sur le toit. Donc voilà, en attendant d'avoir de plus amples. Hein. Ah, oui, ça c'est les écureuils, je dois déjà les avoir, les écureuils. Je devais pas voir la une alors. Ouais, je suis content, je l'ai trouvé. Par contre, ça m'a fait marrer, parce que les monstres ici ne repopent pas d'ailleurs. J'étais assez étonné. Je suis arrivé, les goules étaient déjà mortes, et elles sont restées mortes. Elles ne régénèrent pas. Ça m'a fait assez rire. Bah écoutez, c'est tout pour moi. En attendant le complément d'information, je vais pas vous embêter plus longtemps. C'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming, et je vous dis à la prochaine. Ciao!